Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarima Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable. Sa fidélité toujours à... Casarima, le canal qui te transmet la vie. Casarima, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance. Waouh, que la lumière soit, bien-aimé. On se retrouve encore à notre émission. Que la lumière soit. Je suis en train de voir beaucoup de gens commencer déjà à s'introduire. Bien-aimé, surtout, n'hésitez pas à donner une bonne offrande. La bonne offrande, vous le savez, vous comme moi, c'est le fait de partager cette émission à un grand nombre de gens, donner la possibilité à beaucoup de personnes de nous rejoindre, de venir manger et de se faire instruire, enseigner. Bien-aimé, que le Seigneur bénisse tous ceux qui rentrent, Alphosine, Maman Fossine, Madeleine Ambozo, toutes mes filles, Salma et Johanna, Pasteur Johanna Lembe. Bien-aimé, partagez quand vous arrivez. La mère est la première des choses à faire en sorte que les autres viennent nous rejoindre. Je vois Francine Kala aux États-Unis, t'habites à Montbéli. Je vois tout le monde à traiter, de commencer déjà à rentrer pour suivre ces sujets. En plus, c'est un bon sujet. Vous connaissez ces sujets. En 2016, je l'avais prêché à une chaîne de la place. Mais après que la chaîne avait connu une piraterie, l'émission avait été disparue. Voilà pourquoi Dieu m'a convaincu encore aujourd'hui de revenir avec ces sujets pour pouvoir aider beaucoup de gens à comprendre et aller voir avec eux aussi tout le temps, partout. Continuez à partager. Je vois tout le monde. Que la lumière soit. Shalom à tout le monde. Que la lumière, Louise, pour chasser les ténèbres de nos ignorances et pour que nous tous, nous arrivons à manger. Je vous chéris tous qui rentrez. Que le Seigneur vous fasse du bien. Partagez. Bien-aimés, vous connaissez que, avant que je vous donne les sujets, vous savez qu'avant que nous puissions écouter la parole, nous mangeons la parole, nous prenons un petit temps de la concentration avec la chanson de l'album Le Retour, Salah Ozonga. Pour votre information, les autres clips sont déjà prêts, mais nous n'allons pas les lancer maintenant. Comme la semaine prochaine, nous serons déjà en procédure de faire sortir déjà des CD pour en avoir ça. On a eu un petit retard par rapport à mes réalisateurs et tout cela. Mais là, la situation est déjà bonne. On aura déjà nos CD bientôt. Et je bénis le bien-aimé frère Emmanuel Fangoulou. Je suis content, ça fait longtemps depuis que je suis passé en Belgique. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé Fangoulou Ngoma. Que Dieu te bénisse. Partage cette émission, c'est une offrande pour que les autres viennent nous rejoindre. Et en attendant, pour manger l'appétit, bien-aimé, nous voulons tous écouter la chanson Salah Ozonga de l'album Le Retour. Après quoi, nous revenons à notre enseignement. Je demande à l'antenne de pouvoir nous faire passer la chanson Salah Ozonga. Jésus, il reviendra chercher ses enfants. Le monde est rempli tellement de problèmes. Il n'y a plus de paix sur cette terre. La seule paix qui nous reste, c'est demeurer dans sa présence. Jésus. Soki
suka wapi I maniko nanga. Le comité banga mai, Bien-aimés, je suis très content de voir beaucoup de monde qui est venu nous rejoindre dans cette émission. Bien-aimés,
Que la lumière soit, je vois bien-aimé de Berger Henry Wilson, je vois de Lydie Kumba, je vois d'apôtre Noël Missia, je vois de Benjamin Colno, je vois beaucoup d'autres personnes qui sont arrivées comme de Laurinda, de Carmel et tous ces gens. Je vous dis que le Seigneur vous bénisse et que la lumière soit avec vous aussi pour pouvoir chasser les ténèbres de toute ignorance qui peuvent avoir contrôle de votre pensée et aussi que par vous, que les autres vont aussi profiter. N'hésitez pas de partager cette émission, ça sera une offrande que vous donnez à Dieu pour que l'évangile arrive dans tous les quatre coins du monde. Bien-aimés, nous avons un thème aujourd'hui dans notre évangile. Vous connaissez l'évangile que nous prêchons dans la sainte doctrine, c'est l'évangile de la précision. L'évangile de la précision, acte 17, verset 10 à 11. L'évangile, bien aimé, vous comprenez vous-même, l'évangile de l'équilibre qui a la spiritualité ainsi que l'intelligence, l'évangile de la troisième dispensation est donné par le tellier, le Saint-Esprit, l'homme sano. L'évangile bien-aimé et qui nous ne prêchons pas ici les choses que les gens aimeraient entendre, nous prêchons les choses que les gens doivent quoi entendre. Bien-aimé, que le Seigneur bénisse tout le monde qui rentrait et tout le monde qui partage des Clara Kiakou, des pasteurs Nonon, des Salvatore, des Rodriguez et tout ça. Je bénis tous ces gens, que chacun donne son offrande. Notre thème d'aujourd'hui, un esclave libéré. Un esclave libéré, c'est le thème que nous voulons enseigner et exploiter ensemble aujourd'hui. Un esclave libéré. Je pense que vous entendez déjà le mot esclave. Esclave, et il y a aussi un autre mot libéré. À côté, bien aimé, un esclave, c'est celui qui vit aux dépens de l'autre et qui est sous contrôle et sous domination de quelqu'un. Un esclave ne peut jamais, bien aimé, faire quelque chose de son propre gré souvent. Et d'ailleurs, qu'il soit d'accord ou pas, l'esclave exécute ce que son maître quoi lui demande. Même la Bible, même dans la Nouvelle Alliance, bien aimé, Dieu même recommande que l'esclave doit obéir à qui? À son maître. Parce que l'esclavagisme en question, c'est aussi le vouloir et la volonté de Dieu dans le plan de la Bible. Vous verrez que Dieu a donné même des lois de comment on devait traiter un esclave, de comment on devait se comporter avec un esclave et comment un esclave devrait finir à être libre ou rester à vie libre. Bien aimé, quand nous parlons de l'esclave et nous voyons plusieurs façons que en Israël on pouvait prendre des esclaves et Dieu avait recommandé aux Israéliens bien souvent de prendre les étrangers comme les esclaves. Bien aimé, étranger de la grâce, étranger de la loi que nous étions, la grâce est venue nous faire rattacher de l'olivier Père Tout-Puissant franc, nous qui étions des oliviers sauvages. Et cette grâce nous est tous arrivée, nous sommes devenus des personnes importantes. Bien aimé, ici nous mangeons Jésus, rien que Jésus, nous prenons les poissons, nous faisons sortir les starters qui est dans la bouche. Ici, nous enlevons la peau de la banane pour savoir et savourer le goût de la banane. Nous rentrons au fin fond de la forêt pour attraper des gibiers. Soyez beaucoup attentifs. Ayez vos bibles avec vous pour pouvoir vérifier tout ce que nous allons et nous aurons quoi à enseigner ici. Je vois la servante de Dieu, la maman pasteur Cathy Kalonda avec nous aujourd'hui, partager aussi cette offrande et cette émission comme une offrande. Je vois notre bien-aimé Quadiotizi qui tu es toujours fidèle à cette émission. Que Dieu vous bénisse tous qui rentrez. N'oubliez pas de partager. Alors je disais que il y avait plusieurs façons. Dieu recommandant au peuple juif de prendre les étrangers, certains comme des esclaves. Et vous savez comment un esclave pouvait vivre dans une maison de chez un maître. Bien aimé, aussi que pour un juif, Dieu avait dit que non, si on prend un juif en esclavagisme, bien aimé, il ne doit pas dépasser les 6 ans.
6 ans d'esclavagisme parce qu'au septième année, on devait les rendre quoi? Libres. Mais quant aux étrangers bien-aimés, l'étranger devait demeurer esclave jusqu'à certaines conditions ou d'autres. Et le maître Dieu lui avait dit, toi le maître de l'esclave, si le maître de l'esclave frappait l'esclave, la Bible dit que non, s'il frappait l'esclave et l'esclave mourait à sa main, bien-aimé, le maître de la maison devait avoir beaucoup de problèmes. Mais s'il est tapé et l'esclave mourait 1 à 2 jours après, le maître, le poids n'allait plus être à sa charge. Dans cet enseignement, bien-aimé, il y a tellement d'explications, des révélations. Bien-aimé, je pense que dans d'autres semaines, dans d'autres enseignements, je vais vous expliquer quand l'esclave meurt à ta main et quel est le mystère qui se cache là et combien de personnes utilisent, même le monde de sorcellerie connaît cette notion des choses et quand on a lié quelqu'un et on veut le faire mourir et comment on doit le traiter et éviter de perdre que cet esclave soit vengé. Parce que du moment où l'esclave sera vengé, ça risque d'être dangereux. Quelqu'un entend ce que j'explique. On n'est pas encore à la profondeur, je vous introduis. On pouvait aussi vendre même son enfant à devenir un esclave. Bien-aimé, et quand on vendait sa fille pour devenir un esclave, bien-aimé, la Bible dit même que du moment où, bien-aimé, la personne qui a pris cette fille-là, en esclavagisme, n'a plus besoin, veut passer cet enfant auprès peut-être de son fils, on doit garder les mêmes conditions de vie pour cet esclave, même si on ne veut plus de cet esclave. Bien-aimé, on pouvait aussi prendre d'autres personnes en esclavagisme à cause des dettes. Bien-aimé, les dettes peuvent te faire devenir aussi qui un esclave. Vous connaissez, il y a un verset que je vous ai déjà dit dans certaines de mes émissions de la lumière soit. Je vous ai expliqué dans le livre de Proverbes chapitre 22, le verset 7, la Bible dit quoi? La Bible dit que celui qui emprunte est l'esclave de celui quoi qui lui prête. Bien-aimé, est-ce que vous comprenez cela? Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui lui prête. Bien-aimé, c'est ainsi que les dettes peuvent aussi te conduire quoi à l'esclavagisme, que ça soit moral, que ça soit spirituel et que ça soit aussi physique. Méfie-toi avec ces sentiments, bien-aimé, toujours de prendre quoi des dettes. Bien-aimé, on aura expliqué toutes ces histoires, ne vous en faites pas. Nous avançons petit à petit. Alors, quelqu'un me dira, mais non, bien-aimé, et comment donc on paie? Bien-aimé, les dettes que nous subissons et que nous prenons, ça peut nous amener à l'esclavagisme. Même si ça ne nous amène pas nous-mêmes, ça peut amener aussi nos enfants, quoi, à l'esclavagisme. Quelqu'un m'avait expliqué, bien-aimé, il faut que vous lisiez bien la Bible, il faut que vous plongiez. Parce que je vous dis, dans chaque écriture de la Bible, il y a un esprit de révélation. La Bible est telle qu'elle est écrite, bien-aimé, cache un esprit dans chaque lettre, à la place que Dieu pouvait dire quoi. Si Dieu le dit, je vous dis qu'il y a toujours une explication. Écoute bien, dans le livre de 2 Rois chapitre 4, cela nous certifie que non, les dettes peuvent amener des gens à l'esclavagisme, ou bien même si pas la personne, ça peut amener même qui et ses enfants à la personne. Vous vivez dans la réalité. Jésus disait une chose très très capitale, très très importante. Il disait, est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Mais nous connaissons et nous savons tous ensemble que non. Nous qui vivons bien peut-être ici en Occident ou d'autres qui vivent ailleurs, les lois sont pareilles dans l'ensemble du monde. Mais comment? Parce que si je prends des crédits, bien-aimé, et que moi je meurs, mes enfants risqueraient à les payer et même ma femme. Dans le livre de 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 1, il y a une explication. La Bible nous montre cette histoire concernant une femme qui était l'une des femmes des prophètes et qui son mari était décédé et son mari lui a laissé avec des dettes. Au point que, bien-aimé, les réclamateurs, les créanciers étaient venus pour prendre les enfants quoi, comme des esclaves. Nous pouvons les lire, bien-aimés, parce qu'il y a la précision. Des Rois chapitre 4, à partir du verset, elle a dit, une femme parmi celles des fils des prophètes cria vers Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Il craignait l'Éternel, on n'a pas besoin d'argent aujourd'hui. Il craignait l'Éternel, la Bible dit, or les créanciers est venu pour prendre qui mes deux enfants et en faire qui les esclaves, en faire qui ses esclaves. Vous voyez que bien aimé, les dettes aussi
peut nous conduire à un esclavagisme. D'autres personnes vivent dans l'esclavagisme spirituel sans qu'ils le sachent à cause de certaines dettes que vous avez. Mais parce que la bénédiction de Dieu aux enfants d'Israël, Dieu avait dit quoi? Vous n'en prêterez pas, mais vous prêterez. Bien-aimé, et maintenant cette bénédiction n'agit plus. Bien-aimé, quand cette bénédiction est tournée, c'est que nous tombons à un système de malédiction où le diable peut gérer. Et la Bible nous dit quelque chose. Mais là, on peut dire que maintenant, ce n'est pas les enfants qui avaient pris la dette. Bien aimé, ta dette peut aussi faire subir les autres. Lamentation chapitre 5, le verset 7, bien aimé, j'aimerais que, bien aimé, que vous le lisez, mais on peut aussi lire avec vous pour toujours préciser, rester dans la précision. Que la lumière soit, que Dieu bénisse Liliane et les autres qui rentrent, Louyeye et Louyangou, partagez cette émission, Dieu vous bénira. Mais ici, nous ne parlons pas d'un esclave tout court, mais je vais vous parler d'un esclave libéré. Comment est-ce cet esclave qu'un esclave peut devenir libéré? Bien aimé, tu es peut-être un esclave à un domaine quelconque, à une situation que je ne peux le savoir. Bien aimé, mais au moins, je sais qu'une seule chose, que l'Éternel peut aussi te libérer. Voilà pourquoi nous parlons d'un esclave libéré. Et que la lumière soit, et que Dieu bénisse beaucoup d'entre nous et qui suivent cette émission. Lamentation chapitre 5, verset 7. Et qui nous montre que non, les problèmes des parents peuvent aussi descendre, bien aimé, ce qu'on appelle les Jérémiades. Hein? Nous sommes dans les Jérémiades, chapitre 5, et le verset 7. Ici, il y a la lecture et il y a les explications. Ici, il y a la lecture et les explications parce que nous aimons bien la précision. Lamentation 5, le verset 7, la Bible dit, nos pères ont péché. On dit nos pères ont péché, mais ils ne sont plus. Et vous attendez, la Bible dit que nos pères ont péché et ils ne sont plus. Ils ne sont plus ceux qui sont déjà morts. Ils n'existent plus. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit, c'est nous qui portons le fardeau de leur faute. Et c'est nous qui portons le fardeau de leur faute. Les gens qui ont du mal, bien-aimés, à manger Vita Christ et Jésus-Christ, et disent que non, nous, bien-aimés, nous sommes en Christ, il n'y a plus quoi. La Bible dit, quelqu'un m'a même évoqué un chapitre de la Bible, dit que non. La Bible dit, on ne dira plus que les parents ont mangé les raisins et les dents des enfants sont agacées. Mais à quel moment, bien-aimés, il faut aboutir, bien aimé, il ne faut pas couper un verset ou couper une révélation. Il faut chercher à faire sortir, bien aimé, les poissons qui a les stactères. On ne les fait pas simplement sortir la tête dans l'eau, on les fait sortir complètement pour récupérer quoi les stactères. Il faut les faire. Quand tu laisses les poissons compter de l'eau, tu risques de les perdre, risques de s'échapper. Bien aimé, il faut les faire sortir. Quand on dit que non, on n'y aura plus ce langage en Israël que les parents ont mangé les raisins et les dents des enfants sont agacés à une seule condition. Pourquoi dans une seule condition? Dans la condition de Romains chapitre 8, verset 1. Bien aimé, allons-y lire. Pour comprendre que Romains chapitre 8, verset 1, ici nous marchons, la parole marche ici. Comprenez pourquoi nous avançons. Bien aimé, on a beaucoup de choses à dire, je pense que le temps va nous aider. Romains chapitre 8, le verset 1. Ici, il y a la lecture et les explications. Bien aimé, Romains chapitre 8, le verset 1. La Bible dit, il n'y a donc, vous comprenez, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en. On a dit en Christ. Écoutez, on a dit pour ceux qui sont en Christ et qui Jésus. Bien aimé, j'aime parce qu'on n'a pas dit Paul. J'aime comment Paul parlait. Paul aimait toujours dire en Christ et Jésus. Lui disait rarement Jésus Christ. Il dit en Christ Jésus. Il prend d'abord la spiritualité et le fait sortir pour se coller à la nature humaine de Jésus. Il dit quoi? Pour ceux qui sont en Christ Jésus, et qui marche, la Bible dit qui marche, et non, chez moi il y a la précision, et qui marche non, selon la chair, mais selon l'esprit. Écoutez ma version, non selon la chair, bien aimé, du moment où tu marches encore selon la chair, bien aimé, la malédiction ou le péché des parents vont tomber sur toi. La meilleure des choses, bien aimé, pour qu'il n'y ait plus de condamnation dans ta vie, bien aimé, la meilleure des choses, il faut
faire en sorte que tu marches non selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est la raison pour laquelle dans le livre de 2 Rois chapitre 4, et que la Bible nous montre que les créanciers devaient venir prendre les enfants de la dame, quoi, bien aimé, comme des esclaves. Pourquoi? Parce que cela montre clairement, si le père n'avait pas payé les dettes, et si les créanciers voulaient prendre des enfants, c'est que la maman n'a pas résolu aussi la situation. Bien aimé, je voudrais vous dire que non, si vous avez des situations à résoudre, il en est temps. Bien aimé, il ne faut pas attendre longtemps. Pour pouvoir, bien aimé, sauver même vos enfants pendant que vous vivez. Bien aimé, certaines d'autres personnes souffrent dans ce monde parce que les parents avaient déposé les poids. La Bible dit que non, nos pères ont péché, mais ils ne sont plus. Mais tous les poids de nos pères se reposent sur nous. Se reposent sur nous. La seule chose, bien aimé, entrer complètement à Christ. Nous avançons parce que nous avons beaucoup de choses à manger. L'esclave, bien aimé, l'esclave libéré. Alors, cela fit à l'époque aussi, bien aimé, de qui? Cela fit à l'époque aussi de Daniel. À l'époque de Daniel, bien aimé, on amena Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, bien aimé, en déportation en Babylone. Ils étaient des esclaves. Mais on va comprendre que malgré qu'ils étaient des esclaves, ils étaient de la race royale. Bien aimé, j'aimerais te dire que non, tu es de la race royale, mais parce que tu n'es pas conscient de ton état, on peut te mettre aussi comme un esclave. Allons-y, Daniel chapitre 1, pour pouvoir comprendre des choses. Yeah, j'aime la parole. Et que la parole nous fasse beaucoup de bien. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui sont avec moi, que la lumière vous éclaire pour chasser les ténèbres. Un esclave libéré. Daniel chapitre 1, bien aimé, ici à la lecture et les explications, comme je vous ai dit. La Bible dit à partir du verset 2, bien aimé. Le Seigneur livra entre ses mains Yehoiakim, roi. Daniel chapitre 1, à partir du verset 2, roi de Juda, et une partie des objets de la maison de Dieu. Il les amena au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il mit les objets dans la maison du trésor de son Dieu. Ça, c'est, bien aimé, Nebuchadnezzar. Bien aimé, écoute, à l'époque là, de Babylone. Le roi dit à Ashpenaz, chef de ses uniques, d'amener quelques-uns, vous entendez, d'amener quelques-uns des Israélites, des races royales. Quelqu'un prononce avec moi, je suis de la race royale. Bien-aimé, tu es de la race royale, mais tu ne connais pas, mais on peut te retenir comme un esclave. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu qui demeurent en esclavagisme, mais tout en oubliant que non, vous n'êtes pas des races et d'esclaves, vous êtes de la race royale. Bien-aimé, je proclame pour quelqu'un qui me suit, bien-aimé, dis avec moi, je reçois. Dis avec moi, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui, tu ne dois pas laisser des gens jouer avec toi. Bien-aimé, tu ne dois pas te négliger, bien-aimé, tu ne dois pas accepter des moindres des choses, de petites choses. N'accepte pas que quelqu'un te dise que toi tu ne peux pas, que tu es bien-aimé, que tu n'as pas de valeur, bien-aimé. Non, toi tu es de la race royale. Dis avec moi, je reçois. Bien-aimé, ne laisse pas. Je vois une femme en train de regretter, bien-aimé. Tu es une femme qui regrette. Cet homme blague beaucoup avec toi. Elle ne doit pas beaucoup blaguer avec toi. Tu es de la race royale. Mon frère, cette femme ne doit pas jouer avec ta personne. Ne doit pas te faire traîner de gauche à droite. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu es de la race royale. Les gens ne doivent, tu ne dois pas autoriser que les gens, bien-aimé, commence à t'exploiter comme un esclave, de t'envoyer comme un objet, de t'utiliser comme un outil en usage simplement unique. Après, ils n'ont plus besoin de toi. Parce que toi, tu es de la race quoi, royale. Dis avec moi, je reçois. Quelqu'un comprend que tu es de la race royale. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Mais la seule chose, c'est ton inconscience qui t'a rendu esclave. Mais pourtant, la race que Dieu t'a créée, c'est une race noble. C'est une race des aristocrates, bien-aimé. C'est une race, bien-aimé, des princes. Bien-aimé, tu es d'une race des princes. Tu dois regarder le monde autrement, bien-aimé. Tu ne dois pas vivre à la manière des paysans, des pauvres. Mais tu es quelqu'un, bien-aimé, et qui a la grande vision et qui doit aller plus loin, la race. La Bible dit que non, quelques-uns de la race royale ou des familles, bien-aimé, quoi, des dignitaires. Des familles, quoi, des dignitaires. Bien-aimé, tu sors d'une famille de la race royale et des dignitaires. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne dois pas accepter de n'importe quoi dans ta vie. Tu ne dois pas te laisser libérer, mais tu ne dois pas rester dans les saletés. Non, bien aimé, il lui faut sortir de ces choses.
parce que toi, tu es de la race des dignitaires. Et la Bible dit que des jeunes garçons sans défaut, corporels, des belles d'apparence, bien aimé, doués de toute sagesse. Waouh, la sagesse. De l'intelligence, bien aimé, vous voyez, et d'instruction capable de servir dans le palais du roi, à qui l'on enseignerait quoi? Les lettres et quoi? Et la langue de Chaldéen. Le roi leur fixa pour chaque jour. La Bible dit, le roi leur fixa pour chaque jour. Pour chaque jour, quoi? J'aime la parole. Le roi leur fixa pour chaque jour une portion de la nourriture, une portion de mets de sa table, de la nourriture du roi. Une portion de mets de la nourriture de qui? Du roi. Quelqu'un est avec moi, que le Seigneur te bénisse. Et du vin dont il y buvait, oh waouh, 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 et du vin dont il y buvait, voulant les élever pendant 3 années. 3 années et que ces gens devaient manger la nourriture du roi et boire le vin du roi. Bien-aimé, vous allez continuer la lecture, laisse-moi avancer pour pouvoir gagner du temps. Bien-aimé, dans cette histoire des esclaves, bien-aimé, que nous parlons de l'esclave libéré, on va conclure avec montrer comment on doit être libéré. La Bible dit ceci. Et à cette époque, Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel faisaient partie des jeunes enfants, des jeunes garçons qu'on avait amenés aussi en esclavagisme à Babylone. Mais un jour, le roi a dit, vous devez sélectionner. Bien aimé, on a connu Shadrach, Meshach, Abednego parce qu'ils étaient des jeunes qui faisaient partie de la race quoi, royale et de la race des dignitaires. Quelqu'un comprend aujourd'hui? Et le roi a dit, choisissez-moi des personnes. Bien aimé, tu dois comprendre que ta vie est beaucoup combattue. Parce que tu n'es pas une race simple. Tu es une race des élus. Une race noble. Mais tu n'as plus à te lamenter et à croiser les bras, à se poser des questions. Je ne comprends pas. Ma vie a beaucoup de combats. Oui, bien-aimé. Parce que tu es de la race royale et de la race des dignitaires. Quelqu'un comprend, bien-aimé. Oh, pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi les gens me font du mal? Pourquoi il y a toujours des problèmes, maman? C'est normal. Bien-aimé, parce que tu es une race noble. Une race des dignitaires. Tout le monde voudra être comme toi et venir vers toi et te prendre en contrôle et en possession parce que les gens craignent ton autorité, ton règne, ton étoile brille très très forte. Et la Bible dit que le roi donna des ordres. Le roi dit que non, à ce chef des eunuques, à Ashpenaz, il dit quoi, c'est que tu vas faire. Tu vas prendre quelques jeunes garçons qui viennent d'Israël, les Israélites, et qui sont beaux, d'un corps très formidable, intelligent, sage et bien instruit, parce que ce sont des personnes qui viennent de la famille royale. Ce sont pour là, pour on a dit des bonnes instructions. Bien aimé, j'aimerais te dire que non, tu dois arrêter ton mauvais comportement et tes mauvaises habitudes parce que tu es de la race royale. Tu as une instruction divine. Quelqu'un comprend cela? Et la Bible dit que non, le roi les a dit, tu les donnera la nourriture que moi je mange sur ma table, la nourriture que je mange sur ma table et le vin que moi je bois. Et que tu le mettras, tu le donneras 3 années, ils doivent manger et boire aussi quoi, mon vin. Et quand la nouvelle arriva à Shadrach, Meshach et Abednego, bien aimé, waouh, je pense que je parle aux femmes et aux hommes de la race royale dans cet auditoire. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, si tu savais que tu étais de la race royale, tu allais changer et tu allais maintenant voir autrement le monde que tu vis et tu allais dire, waouh, je ne suis pas n'importe qui. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui comprennent cet enseignement. Et la Bible dit ceci. Maintenant, il devait, bien aimé, oh mon Dieu, il devait manger la nourriture du roi et le vin du roi le boire 3 années. Maintenant, Shadrach et Daniel va aller voir plutôt. Daniel va aller voir le chef d'Unique. Il dit, oh chef d'Unique, je vais te proposer quelque chose et te demander comme une demande. Et réponds-moi à cela, je t'en supplie. Permets-nous, nous, de ne pas manger la nourriture du roi et de ne pas aussi quoi boire le vin du roi. Nous aimerons manger le légume. Et donne-nous simplement 10 jours. Et quand tu reviendras, si tu vois que les légumes que nous mangeons, cela n'apporte rien à nous, impose-nous à manger aussi la nourriture de qui? Du roi. Mais nous ne mangerons pas.
Pourquoi Daniel avait refusé? Bien aimé, parce que Daniel avait la révélation. Dis avec moi la révélation. Daniel avait l'explication. Daniel savait que la nourriture du roi de Babylone, la nourriture n'est que le corps de quelqu'un. Parce que là, nous sommes dans Jean chapitre 6, là où Jésus avait dit, vous mangerez mon corps et vous boirez mon sang. Et maintenant, quand on mange, et maintenant Daniel a compris par la révélation, ce type nous demande de manger quoi, de manger maintenant quoi, sa nourriture. C'est que ce type nous demande de manger son corps. Et quand il nous dit de boire son vin, c'est qu'il nous demande de boire quoi, son sang. C'est la raison pour laquelle dans les mariages des noces, fête des noces à Cana, quand la mère de Jésus était venue, bien aimée, rencontrer Jésus, dire à Jésus quoi, mon fils, il n'y a plus du vin dans cette fête pour que Jésus fasse quelque chose. Jésus a répliqué à la mère, il a dit quoi, mon heure n'est pas arrivée. Et quand les gens ont entendu, mais pourquoi Jésus a dit mon heure n'est pas arrivée? Parce que pour Jésus, quand sa mère lui demandait de faire quelque chose pour le vin, Jésus voyait que sa mère lui demandait du sang. Parce que le vin, c'est la synonyme du vin. C'est ainsi, 1 Corinthiens chapitre 11 nous montre que donc, quand il rendit grâce, il le rompit, il dit ceci est mon corps, il a pris le pain, il a pris du vin, il a dit ceci est mon sang. Et maintenant que maintenant, en ce moment, que la lumière soit et que Dieu bénisse tous ceux qui comprennent cela. C'est la raison pour laquelle je lui dis, mon heure n'est pas arrivée. Ce n'est pas le temps de verser mon sang. Il voulait simplement dire, ce n'est pas le temps de verser. C'est alors que Daniel à Babylone, lorsque le roi avait dit à Daniel, que vous allez manger maintenant la nourriture du roi, qui est à la table du roi, Daniel a dit, non, il nous demande de manger simplement son corps. Et le vin qu'il nous donne, c'est le sang. Or, la loi nous dit, et que l'âme d'une personne est dans le sang. C'est que si le roi nous demande de manger la nourriture de sa table et de boire son vin, c'est que le roi veut qu'on se communie avec lui, que la lumière soit. Daniel a compris que non, nous sommes de la race royale qui viennent de la généalogie quoi, d'Abraham. C'est que nous, on n'a qu'une seule nourriture. La nourriture qu'on a, c'est Yahushua Yamashia. Voilà pourquoi dans les saints évangiles bien-aimés, on mange que Jésus. Quand quelqu'un m'apporte une autre nourriture, je demande où est l'agneau. C'est ainsi que la Bible dit que non, lorsque Abraham arriva au lieu de la montagne qu'on lui avait indiqué. Parce que bien aimé, on fait quelque chose, on rend culte à Dieu à l'endroit où Dieu t'a indiqué. On reviendra un jour, on parlera sur les indications que Dieu donne. Bien aimé, et maintenant, quand Isaac a vu le couteau, il a vu le feu, il a dit, je vois le feu, je vois le couteau, mais il dit à son père, où est l'agneau? Toutes ces choses que vous faites, les caricatures de choses, les enseignements que vous donnez, les tout, bien aimé, du moment où je ne trouve pas l'agneau, c'est que c'est la nourriture, bien aimé, de Nebuchadnezzar, du roi de Babylone. Et le vin que vous nous donnez, oh, on fait aussi la sainte scène, bien aimé, du moment où le vin est là, et la nourriture n'est pas Jésus, c'est que le sang là n'est pas le sang à manger. C'est la raison pour laquelle là, au Jean chapitre 6, c'est quand vous avez vu, bien aimé, quand Jésus avait dit aux enfants d'Israël, mangez mon corps, buvez mon sang, je dis, oh, mais comment il veut qu'on mange? Parce que l'âme de quelqu'un est dans le sang. Si on mange, on le boit, on deviendra son âme, on deviendra une même personne avec elle. Et bien, nous, on refuse. C'est alors que Daniel a dit, non, nous, on ne mangera pas la nourriture de qui? Du roi de Babylone. De peur qu'on commence à se comporter à la manière des gens, quoi, de Babylone. Parce que malgré on est esclave, mais on est de la race royale. Quelqu'un me donne un amen. Yes, yes, yes. Oh, je bénis, bien-aimé. Quelle est la nourriture que toi tu manges et qui te pousse à te comporter? Chaque nourriture et le vin que nous boyons, nous vivons, bien-aimé, et que nous vivons, bien-aimé, tu dois rendre compte, tu dois comprendre que cela te communie avec la personne. C'est là que c'est communié. Voilà pourquoi Daniel a dit que non, non, nous on ne mangera pas ça. De peur qu'on se communie avec l'âme du roi de Babylone. On va commencer à adorer ces dieux, à faire ce qu'ils font. Mais nous non, nous on ne mangera pas ça. Parce que nous on n'a qu'une seule nourriture à manger. C'est le corps de Yahushua Yamashia. Et le vin de boire. Mais toi tu manges qui?
là où tu es enseigné. Ici, nous sommes christocentriques. Toi, on te prêche qui? Toi, on te montre qui? Bien-aimé, nous mangeons Jésus ici dans les saints évangiles. Que la lumière soit, que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, le problème, et quand le roi a appris, bien-aimé, que les Shadrach, les Meshach, Abednego, comme eux, ils n'ont pas mangé ces choses, bien-aimé, ils ne pouvaient pas se comporter à la manière des enfants de Babylone. Et le roi les a donné des postes, ne sachant pas que ces gens n'avaient pas mangé sa nourriture, n'avaient pas bu. Et quand le roi maintenant ordonnera et que tout le monde se prosterne à la statue qu'il avait élevée, mais Shadrach, Meshach, Abednego ont dit, non, nous ne serons pas influencés parce qu'on n'avait pas mangé la nourriture de ces pays. Quelqu'un attend aujourd'hui. Aïe, 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 j'aime la parole. Bien-aimé, tu sais pourquoi tu es facilement induit en erreur. Tu sais pourquoi tu es facilement séduit? Ça dépend de la nourriture que tu manges. Bien-aimé, quand tu manges la nourriture qui a Jésus et le sang de Jésus, qui est le vin que nous vivons, bien-aimé, le vin que tu bois, ce vin-là, ça devient une même personne avec toi. Bien-aimé, tu penseras à la manière de Christ. C'est alors que la Bible nous dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Parce que l'âme de la personne est rentrée à moi. Je suis devenu la personne. Là, comme Jésus disait que je suis dans le Père et le Père est à moi. Et moi, je suis. Et vous, vous êtes à moi. Nous sommes en Christ et cachés en lui. Que la lumière soit et que le Seigneur bénisse tous ceux qui comprennent. Mais notre thème, on dit quoi? L'esclave libéré. Mais comment est-ce qu'un esclave doit être libéré complètement? Là, nous voyons qu'on peut refuser tant qu'un esclave à mener la vie des autres. Mais nous voulons savoir comment est-ce qu'un esclave peut être quoi? Libéré. Que le Seigneur soit béni. Dis à ton voisin que la lumière soit. Bien-aimé, salue tout le monde et je salue tout le monde, Je dis que Dieu vous aide à devenir des personnes libérées. Bien-aimé, on est tellement esclave en beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines. Écoute, bien-aimé. Deutéronome chapitre 21, le verset 10 au verset 14, nous explique à quelle façon, dans quelle manière, qu'un esclave peut devenir aussi libre. Bien-aimé, écoute. Oh, j'aime la parole. Écoutez bien. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 21, à partir du verset, la Bible dit, lorsque tu sortiras pour attaquer tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être que tu verras parmi. Bien-aimé, tu vas lire ça toi-même la suite. Moi, je vais avancer par rapport à l'air. La Bible explique cela pour qu'un esclave devienne libre. Dans Deutéronome chapitre 21, verset 10 à 14, la Bible dit, quand tu sortiras pour aller faire la guerre avec tes adversaires, tes ennemis, et que toi, tu vas prendre d'autres personnes, quoi, bien-aimé, en esclavagisme, et qui deviendront tes esclaves comme des prisonniers. Mais peut-être parmi ces esclaves, la Bible dit, peut-être parmi ces esclaves, tu verras les captives. Eh, bien-aimé, tu verras les captives et tu trouveras une femme belle que tu t'attacheras, quoi, à elle. Elle est une esclave. Nous sommes tous des esclaves, mais au milieu des esclaves, Dieu dit quoi? Peut-être que tu trouveras une femme belle au milieu des esclaves et que toi, tu t'attacheras à cet esclave. Waouh, waouh, waouh! Quelle est la femme belle au milieu des esclaves et que Christ, quoi, le champion, doit s'attacher? C'est ça maintenant le problème. La Bible dit, et tu t'attacheras. Et quand tu trouveras que cette femme, elle est belle, et que toi tu t'attaches à elle, malgré qu'elle fait partie des captives, malgré qu'elle fait partie des esclaves, la seule chose, il faut la retirer parmi les esclaves. Mais l'esclave, j'aime la parole et j'aime l'explication. Bien aimé, la Bible dit, il faut la retirer parmi les esclaves. Et pour la retirer, la Bible dit que, bien aimé, notez là-bas, il faut l'amener à l'intérieur de ta maison. Elle ne doit plus rester ensemble avec les autres esclaves. Mais tu l'amèneras à l'intérieur de ta maison. Je vais vous amener à l'explication. J'aime. Alléluia. Que la lumière soit. Que le Seigneur éclaire. Deuxième chose, dit quoi? Elle se rasera la tête. Et se fera aussi ses ongles. Bien aimé, elle va se raser la tête.
elle va faire ses ongles, l'arranger, tailler ses ongles. Parce qu'elle doit quitter la foule, là où se trouvent tous les captifs, là où se trouvent les esclaves. La Bible dit, quand tu l'amènes à la maison, elle se rase la tête et se fait ses ongles. Troisième chose, elle va quitter ses vêtements. Quelqu'un attend. Les vêtements. Ce que nous comprenons, quel vêtement? C'est le vêtement de l'esclave. C'est le vêtement de la condamnation. C'est le vêtement des prisonniers. Même la nature nous montre, les prisonniers ont conçu pour eux aussi des costumes. On les reconnaît des fois avec leurs costumes. Yes. Mais comme elle doit quitter les milliers des autres prisonniers, elle, il faut qu'on les change les vêtements. Je proclame que quelqu'un, les vêtements doit changer maintenant. Bien aimé, j'arrive. Waouh, que la lumière soit. Au quatrième élément, la Bible dit quoi? Elle habitera maintenant dans ta maison. Parce qu'elle n'est plus celle qui était avant. Celle qui était avant. Elle habitera maintenant dans ta maison. Et cinquième élément, la Bible dit, elle va plaire, elle plaira maintenant qui? Son père et sa mère. Elle va plaire son père et sa mère. Parce qu'elle n'a plus de lien avec elle. Oh mon Dieu! Le verset 6 maintenant, il dit quoi? Non, pas le verset 6, le sixième élément plutôt, bien aimé. Sixième élément dit, après, la Bible dit, tu iras vers elle. C'est alors que tu iras vers elle et tu l'épouseras. Et elle sera ta femme. Je vais nous amener à l'explication. Que la lumière soit. Que le Seigneur vous bénisse. Ici, nous mangeons Jésus. Ici, nous brisons un verset pour faire sortir qu'est-ce qui était caché, bien aimé. Nous venons briser les versets ici pour faire sortir l'esprit qui se cache. C'est que quoi? Il rendit grâce et les remplit. Quand il les rompt, c'était le pain. Le pain, c'était son corps. Quand le corps était brisé, la vie était sortie. Je fais sortir la vie dans cette situation. Bien aimé, un esclave libéré. Bien aimé, je te proclame un esclave libéré. La Bible dit quoi? Quand vous serez en guerre et que vous allez avoir des prisonniers, mais parmi ces prisonniers, bien-aimés, quand tu regarderas, tu risques et peut-être, la Bible dit peut-être, tu risques de trouver une femme belle au milieu de ces prisonniers et que toi tu t'attacheras et ton cœur sera donné. Or, cette femme belle au milieu, ce n'est qu'un corps. Ce corps-là, bien-aimé, c'est la femme qu'on appelle l'épouse de l'Église. Et cette femme, l'Église, bien-aimé, c'est toi et moi que Christ nous a trouvés parmi les esclaves. Bien-aimé, autrefois, on était esclaves de nos coutumes, de nos traditions, de nos condamnations. On était rejetés des nations. Bien-aimé, on était des païens, loin de la grâce, loin de la faveur. On dormait dehors parce qu'on était esclaves. On pouvait nous traiter d'une autre manière, d'une manière et d'une autre. On ne pouvait pas nous considérer. On était sans valeur. Bien-aimé, on n'avait même pas les issues de secours. On ne pouvait même pas avancer. On n'espérait plus à l'excellence. On n'espérait même pas qu'un jour ou l'autre, on pouvait être honoré. Mais grâce, bien-aimé, un homme parmi les esclaves a jeté un œil. A vu que tu étais une femme belle. Bien-aimé, c'est comme ça ta liberté. Elle dit lui-même, cet homme dit, je ne peux plus laisser cette femme au milieu de qui? Des esclaves. Parce que mon cœur s'attache, je proclame à quelqu'un, Dieu est descendu, bien-aimé, pendant qu'on était tous esclaves du péché, condamnés par le diable et les traditions de coutume, par les sorciers qui nous dominaient, bien-aimé, mais Dieu est de là-haut dans les cieux. Dieu te regardait voilé. Non, ça c'est une femme qui me faut. Ça c'est une femme de mon niveau. Dieu était descendu. Bien-aimé, la Bible dit, comme tu prendras cette femme et que tu l'attacheras, tu ne peux plus la laisser parmi les esclaves. Je proclame à quelqu'un aujourd'hui, tu ne resteras plus parmi les malheureux aujourd'hui. Tu ne resteras plus parmi les désespérés. Parce que l'œil de celui qui est victorieux, celui qui peut dominer sur tout esclave, a vu que tu étais la femme belle. Elle ne fait que te retirer. La Bible dit quoi? Tu prendras maintenant cette femme belle. Tu les feras quitter au milieu des autres. Tu l'amèneras à l'intérieur de ta maison. Bien aimé, nous sommes entrés. On était dans le parvis, mais on nous a fait entrer dans le palais royal. Bien aimé, je te dis que, bien aimé, fais l'accès maintenant dans ton couronnement. Je proclame que quelqu'un est en train de rentrer. Tu quittes la phase d'un esclave à un esclave libéré, à un homme
libre. Bien-aimé, tu y accèdes. Tu y accèdes. Tu y accèdes à l'intérieur du palais. Tu y accèdes à l'intérieur de la maison. Je suis en train de voir une femme qui était négligée. Une femme qui était ridiculisée. La société ne te considérait plus. L'œil de l'Éternel se braque vers toi. Dieu veut te faire entrer à l'intérieur de son palais. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ce que je dis? Non. Je parle à quelqu'un. Je veux que ceux qui m'écoutent, bien-aimé, se révoltent contre elle. L'esclavagine, parce que tu n'es pas n'importe qui. Dieu a retrouvé que tu étais une femme belle parmi les esclaves. Oh, waouh, 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 waouh. Ta situation change aujourd'hui. Waouh, waouh, waouh. Que la chose sonne. Hey, yes. La Bible dit, tu l'amèneras à l'intérieur de la maison. Mais quand tu amènes la maison, bien-aimé, c'est que ta condition d'avant ne sera plus comme la condition d'après. Bien-aimé, les conditions d'avant seront plus les mêmes conditions. Tu dormais dehors comme tout autre esclave, tu mangeais comme les esclaves, mais toi tu rentres dans le palais, là où se trouve le règne. Deuxième chose, la Bible dit, on va raser ta tête. Pourquoi on rasera? Dans l'histoire des Naziréens, bien-aimé, dans le livre de Nombres chapitre 21, si je ne m'abuse pas, on va trouver les conditions pour être naziréen. Les Naziréens, bien-aimés, ne devaient pas faire passer les rasoirs sur leur tête tout au long du temps qui se consacrait plutôt à être Naziréen. Parce que Naziréen, on peut se consacrer pour un temps. Il y a des Naziréens, bien-aimés, volontaires, il y a des Naziréens aussi choisis par l'Éternel. Durant la période du temps de ta consécration, bien-aimés, les rasoirs ne pouvaient pas passer. Prenons comme des personnes comme Samson. Samson était Naziréen choisi par Dieu pour le temps de son existence. Les rasoirs ne pouvaient pas. Mais Samson, vous savez, quand on l'a coupé, il a... C'est ses cheveux qui est consacré et qui fait de lui un homme saint. Alors, la Bible dit maintenant que quand les Naziréens, bien aimé, celui qui est consacré, doit éviter d'être en contact avec un mort. Même son frère, même sa soeur qui décède, il doit être là. Mais si au cas où, du lieu qu'il était, un cadavre arrive sans qu'il le sache, il devient impur. La mère des choses pour se purifier, il doit d'abord à lever les cheveux. Quelqu'un me dit ici que Dieu bénisse la parole. Il doit d'abord se raser les cheveux pour recommencer la sanctification et pour pouvoir laisser un autre cheveu, quoi, d'autres cheveux pousser. Bien aimé, c'est alors que si on amène la raison pour laquelle on a dit quoi, l'esclave doit se raser la tête, c'est pour enlever les cheveux de la souillure. Les cheveux de la souillure, c'est les cheveux de l'esclavagisme pour laisser pousser maintenant les nouveaux cheveux. Bien aimé, est-ce que vous savez cela? Or, les cheveux pour une femme est un couronnement. Les cheveux pour une femme, c'est ce qui garnit aussi sa beauté. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le temps où tu dois commencer à briller. Bien aimé, tu es arrivé au moment de ta brillance. Tu es arrivé au moment de la brillance. Cette femme, c'est l'église. Il faut qu'elle brille, bien aimé. Voilà pourquoi que nous qui étions à autrefois des voleurs, on était des escrocs. Bien aimé, nous sommes passés de la mort à la vie. C'est là simplement pour nous dire quoi? La souillure. Cela veut dire simplement bien quoi? Les cheveux anciens. De la souillure, bien aimé, devait être enlevé. En Christ, pour la Bible, toute chose devient une nouvelle. C'est là simplement nous dire que, bien aimé, celui qui était autrefois esclave, la raison pour laquelle, comme il rentre dans le palais royal, parce que tu étais déjà de la race royale avant, bien aimé, toute chose doit commencer à devenir nouvelle, même les cheveux de ta beauté. Bien-aimé, quand on connaît Christ, bien-aimé, on rajeunit comme l'aigle. Que le Seigneur bénisse. Aïe, aïe, aïe. Que la lumière soit continue à partager de tels enseignements avec des profondeurs. Bien-aimé, donner la partie. La Bible dit, elle va tailler ses ongles. Pourquoi? Parce que tu as l'occasion maintenant de dévorer, bien-aimé. Tu dois tailler tes ongles. Pourquoi tu dois tailler? Bien-aimé, parce que la maison que tu es rentrée, c'est la maison d'un homme. Pour connaître que cet homme, c'est un homme doux. C'est un homme doux. Il faut avoir des ongles bien taillés pour ouvrir à son intérieur, faire sortir du miel. Ah, quelqu'un comprend. C'est ainsi la raison pour laquelle, Cocotte Marou, était que la lumière soit avec toi. La raison pour laquelle la Bible dit que cette femme qui rentre, comme tu étais esclave, tu dois savoir que tu l'as trouvé déjà un homme dur. Alors, hors de sa dureté, comme il est tombé amoureux de toi, il a aussi la douceur. Mais cette douceur, ça se cache à l'intérieur. Ce n'est que le mystère des lions. Et que Samson devait tuer et Samson devait faire sortir du miel. La Bible dit du fort et sortir du doux. Mais par quoi? Il faut avoir des ongles pour dévorer. Et si une bonne femme a des ongles pour dévorer les écritures. Bien-aimé, si tu veux être libre, il faut percer les écritures. Pour percer les écritures, faire sortir du bien, du bon qui est caché dans
le Seigneur notre Dieu, le roi de véritable rocher. Ah yes, que la lumière soit. J'aime la parole. Et j'aimerais dire à quelqu'un que la lumière t'éclaire pour comprendre. Et la Bible dit quoi? La femme doit aussi arranger ses ongles. Non simplement les cheveux, mais aussi les ongles. Parce que les cheveux jouera quand ça va pousser, ça jouera le rôle d'un voile. C'est ce qui joue le rôle d'un voile. Nous sommes dans le livre de Corinthiens qui nous parle de cette situation du voile. Que la lumière soit. Bien-aimé. Et la Bible dit, elle quittera ses vêtements. Pourquoi les vêtements? Parce que les vêtements, c'est l'identité. L'identité. L'identité, on la connaissait comme un esclave. Bien-aimé, tu as été connu comme un esclave. Maintenant, tu es entré dans le palais royal. Le palais de la personne qui est tombée amoureuse de toi. Bien-aimé, la meilleure des choses, tu ne dois plus t'habiller avec l'ancien vêtement. Il faut maintenant avoir un vêtement que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, le vêtement blanc. Le vêtement blanc, c'est le vêtement, bien-aimé, d'une nouveauté de vie, d'une vie sanctifié, d'une vie. La Bible dit ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. Et cette femme doit se sanctifier tout le temps. Bien-aimé, oh, que la lumière soit, bien-aimé. On doit changer, bien-aimé. Tu étais de mauvais comportements, il faut que ça change. J'étais un esclave, j'étais mauvais, j'étais ce sorcier, bien-aimé. On ne reste pas avec les anciens vêtements quand on te fait sortir de l'esclavagisme. Ton corps, je m'étonne, je me pose la question. Oh, cette personne, elle vient d'être libérée. Elle est libérée, mais avec le même comportement. Toi qui dis qu'on t'avait fait la délivrance, tu es libérée. Mais après la délivrance, tu te retrouves dans une boîte de nuit en train de danser. En train de danser, bien-aimé. Quel vêtement que tu portes? Pose-toi la question. Quand une femme, quand une personne est libérée, rentre dans le palais, on le change de vêtement. Que la lumière soit. Bien-aimé, oh, nous courons avec le temps. La Bible dit quoi? Elle habitera maintenant dans cette maison. Voilà pourquoi David dit, je demande quelque chose ardemment que de demeurer dans la présence de Dieu. Habiter dans la maison, c'est habiter dans la présence de celui qui t'a fait entrer, bien-aimé. Toi, tu habites où? Tu demeures à quel endroit? Est-ce que tu es dans la maison? La maison, bien-aimé, c'est chez nous. La maison, c'est chez nous. Nous venons de l'éternité, de la présence de Dieu. Nous retournons dans la présence. Il y a une chose la plus heureuse qui existe sur la terre et que tu n'auras jamais, bien-aimé, comparé avec d'autres choses, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. C'est voilà pourquoi on dit, une heure dans la présence de Dieu vaut même qu'une éternité passée ailleurs ou en enfer. Que la lumière soit. Demeurer. Il va demeurer. Ne va plus sortir dehors. Parce que dehors, c'est pour les servantes et les esclaves. Mais dedans, c'est pour l'épouse, la celle qu'on a considérée. Tout ce temps qu'on demeure là à la maison, nous ne sommes pas encore épousés. La Bible dit quoi? Tu plairas son père et sa mère. Pourquoi? Parce que la Bible dit, celui qui aime son père plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Simplement pour dire que Jésus a dit que je ne suis pas venu pour établir la paix, mais l'épée. Diviser le père avec son fils, la mère avec sa fille. Ah, quelqu'un me dit, on ne va pas aller en profondeur, ce n'est pas des polémiques là. Mais bien aimé, comprenez l'évangile. Et c'est simplement pour dire quoi? L'attachement sera plus l'attachement que non, je départ. Oh, la Bible dit dans le livre de Genèse, l'homme, voilà pourquoi, l'homme quittera, s'attachera à sa femme. Le dé deviendra. Maintenant, tu vas pleurer parce que tu te détaches avec ces personnes pour s'attacher à Christ. Bien-aimé, il en est temps de comprendre que non, ta vie ne dépend pas des liens de famille. Ta vie dépend des liens avec le Seigneur. Que la lumière soit. Les libres esclaves, c'est celui qui s'est détaché de tout lien familial pour s'attacher à un homme, le véritable qu'on appelle Yoshua Yamashia. Et là, après cela, bien-aimé, c'est alors après cela que l'homme ira vers. Quand on dit ira, vous comprenez, Christ maintenant reviendra. Mais l'homme ira vers elle et il l'épousera. Elle sera maintenant sa femme. Bien aimé, l'homme ira. Il ira où? C'est quand Christ viendra. Quand Christ revient, c'est simplement maintenant pour venir nous prendre, pour nous épouser. Pour que la femme devienne maintenant son épouse. Mais avant son retour, tu y t'as déjà fait quitter les milliers des esclaves. Bien-aimé, c'est ainsi que 1 Corinthiens 7, le verset 22, nous dit quelque chose. Dit, car l'esclave qui a été appelé, hein, le verset 22, 1 Corinthiens 7, verset 22, notez-le rapidement. La Bible dit, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un esclave, est un affranchi. Vous comprenez?
Car l'esclave qui a été appelé par les seigneurs, c'est la personne qui voit parmi les captives, parmi les prisonniers, la femme qui était belle et s'est donné l'attachement et maintenant la main dans la maison. Quelqu'un attend aujourd'hui. C'est ainsi que Jean 8 aussi, bien aimé, notez parce que je suis à la fin. Jean 8, 36, la Bible dit quoi? Si donc, le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Ah, ici, il y a la lecture, il y a les explications. Bien aimé, je répète pour toi. Hein? La Bible dit à 1 Corinthiens 7, 22. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur, c'est que dans la maison, dans le Seigneur, c'est que dans sa présence, dans le Seigneur, c'est là où le vêtement ne doit plus garder le même vêtement d'avant. Les choses doivent devenir nouvelles. Et maintenant, la Bible dit qu'il est un affranchi. Il devient libre complètement. Parce qu'on prépare maintenant cet esclave au mariage. Et la Bible nous dit quoi? Au Jean 8, 36, la Bible dit, si donc le Fils de l'homme vous affranchit, vous devenez réellement libre ou vous serez réellement qui? Libre. C'est ainsi, bien-aimé, la bonne épouse du Christ, c'est celle qui cherche la douceur du Père. C'est celle qui cherche à comprendre quoi? Où est-ce qu'il se trouve sa faiblesse? Une bonne femme connaît les faiblesses de son mari. Mais pour trouver les faiblesses de son mari, parce que lorsque tu le vois, c'est comme un lion. Mais pour trouver, il lui faut avoir les ongles. Pénétrer à l'intérieur. Pénétrer à l'intérieur pour trouver quoi? Le cœur. Bien aimé, c'est là où se trouvent les sources de vie. Ah, vous oubliez, Proverbe 4, 23, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est là à l'intérieur. Là où se trouve, c'est là où tu dois résider. Mais il faut arranger tes ongles pour pouvoir dévorer les choses. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre, l'évangile de la précision, l'évangile de l'intelligence et qui a la spiritualité et l'intelligence. L'évangile, bien aimé, qu'on enseigne des choses, non ce que les gens aiment entendre, mais ce que les gens doivent entendre. De la troisième dispensation, l'on est par l'hôtelier et l'homme sans nom. Bien aimé, que Dieu vous bénisse et restez connectés. À minuit, vous serez avec la servante du pasteur Lydie Koum à l'émission Au milieu de la nuit. Elle vous donnera tous les communiqués qui nous concernent. Avec moi, on se retrouve. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple, en un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable, sa fidélité toujours à... Casarema, le canal qui te transmet la vie. Casarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Ça vient vite.